Alors, au stade où nous sommes, c'est-à-dire à mi-chemin hein, du parcours que les citoyens doivent faire dans l'appréhension de cette question, c'est encore difficile de répondre puisque la Convention climatique n'a pas donné ses recommandations et que par ailleurs la réforme institutionnelle n'est pas engagée. Donc voilà, ce sont des réflexions. Moi j'ai envie de dire déjà que premièrement, la participation des citoyens n'est pas nouvelle au CESE. Elle est déjà dans l'ADN de la réforme du CESE depuis 2010. Donc plusieurs choses se sont menées, des réflexions, des expériences, sous des formes d'ailleurs assez variées. Donc déjà, elle n'est pas nouvelle, en tout cas ce n'est pas la convention seule qui amène cette question au sein de la réforme du CESE. Pour ma part, par exemple, dans la section de l'environnement que je préside depuis maintenant deux mandatures, nous avions fait des expériences pour associer des classes, c'est-à-dire des collégiens, lycéens, etc. C'était une autre forme de participation et justement c'était sur les questions climatiques pour leur apprendre à découvrir les enjeux climatiques et le processus démocratique. Par exemple, d'appréhender par audition contradictoire, de trouver des consensus ou pas sur des recommandations, et ensuite de les produire, on les avait même invités à les présenter dans l'hémicycle. C'est une autre forme d'invitation aux citoyens à participer. Pour moi, un des enjeux, c'est bien sûr la place qu'on donne aux citoyens, mais plus exactement, c'est comment on va articuler les formes de consultation démocratique, puisque nous sommes déjà une assemblée de consultation démocratique de la société civile avec des paroles de citoyens, c'est-à-dire des individus qui ne sont pas forcément engagés dans des organisations. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on arrive à articuler ces deux choses, à les rendre complémentaires et non pas à viser, comme certains le voudraient peut-être, à substituer une forme de consultation à une autre. Ça, c'est un peu toute l'équation. Pour l'instant, on n'a pas complètement les réponses. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite qu'ils puissent être trouvés. Un des enjeux, c'est aussi de savoir quelle place vont se trouver et se donner les citoyens de la Convention, des citoyens tirés au sort, puisque eux-mêmes s'interrogent un peu sur leur capacité à comprendre cet enjeu, puis à produire des choses pertinentes, etc. Parce qu'une des choses qu'ils découvrent aussi, c'est qu'en fait, il y a des dizaines d'acteurs qui ont déjà analysé ces questions et fait des propositions. D'ailleurs, la section que je préside produit des recommandations sur ce sujet depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, les recommandations que nous présentons sont le fruit des discussions entre 70 organisations ou groupes d'acteurs représentés ici. Donc elles ont déjà été éprouvées, élaborées, confrontées à du collectif et approuvées collectivement. Donc elles ont quand même une forme de représentativité. Donc en gros, la question, c'est de savoir la place qu'on va donner aux uns et aux autres, si on va les opposer, les substituer ou les articuler pour qu'ils deviennent complémentaires. Pour moi, c'est un enjeu majeur de la réforme institutionnelle et de la Convention climat, qui n'est qu'une des formes de consultation démocratique des citoyens. En dehors d'analyser les processus, c'est-à-dire simplement les modalités de consultation, ce sur quoi beaucoup d'acteurs, je le remarque, se concentrent. Moi, ce qui m'intéresse, et notamment parce que j'anime des débats sur les questions climatiques depuis des années, c'est bien sûr la nature des propositions, c'est-à-dire le contenu, pas seulement le process par lequel on y est arrivé, mais c'est la nature des propositions qui seront faites. Ça m'intéressera, par exemple, de voir si les propositions des citoyens sont différentes, divergentes, identiques, cohérentes avec les nôtres, parce que ça nous dira des choses sur comment on peut se rendre complémentaire. Autre chose qui est très importante, c'est qu'en fait, ce type de rendez-vous, pour moi, il ne doit pas s'analyser en dehors du contexte dans lequel il est. Certains acteurs qui sont promoteurs de la consultation des citoyens en tant que tels et pas forcément sur l'objet climat qui est celui de la Convention, s'attachent plus à cette modalité plutôt qu'au contexte climatique. Le contexte climatique, c'est qu'il y a des dizaines d'années que des acteurs réfléchissent à ces questions, font des recommandations, etc. Donc aussi, une des manières importantes pour nous d'analyser les résultats de la Convention vis-à-vis de la réforme et sans la réforme, c'est de regarder ce qui sera produit et ce qui sera fait des productions des citoyens. Et là, tout est dans les mains du Parlement, du gouvernement, voire des autres citoyens, parce qu'à aujourd'hui, on ne sait pas
si les 65 millions de citoyens se reconnaîtront dans les propositions des citoyens que nous avons tirées au sort. Tout l'enjeu pour moi démocratique, il est là, c'est-à-dire quelle est la place qu'on va donner à ces contenus dans les institutions ou les décideurs publics en général.